Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien chez vous. Je vous invite de nouveau dans ma cuisine pour partager une recette. Les enfants et moi, on a été à la ferme cueillir des fraises et on en a fait une charlotte aux fraises. Elle est gourmande, elle est faite maison et forcément, elle est délicieuse. Je vous montre comment je fais. Je vais laver et cutter les fraises. Je vais les mixer donc pour en faire un coulis. Donc, je vais les mixer une, deux ou trois fois jusqu'à ce que le coulis soit bien lisse. Je vais partager ce coulis en trois. La première partie, je vais la mettre de côté sans rien rajouter. La deuxième partie, on va la chauffer et rajouter de l'agar-agar. Et la troisième partie, je vais rajouter de l'eau. Ici, la deuxième partie, donc vous voyez, donc je la mets au feu, je la chauffe, je rajoute du sucre et je rajoute de l'agar-agar pour figer. Et je vais mettre de côté. Ensuite, je vais passer à ma chantilly. 1 litre de crème, 100 g de sucre glace et 250 g de mascarpone. Je vais fouetter le tout. Et je vais obtenir une chantilly sucrée faite maison. Regardez comment elle est délicieuse. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter ici la moitié de ma première partie. Vous vous souvenez? Là où je n'avais rien rajouté, là. Ici. Et ensuite, après, on va passer au montage de la charlotte. Donc, on va utiliser les boudoirs, donc les biscuits cuillères qu'on va coller, on va tapisser tout autour et au fond. Je vais rajouter la deuxième moitié de ma première partie, donc celle qui est brute, qui n'a rien du tout. Je vais mettre un coulis et puis je vais mettre ma chantilly à la fraise au-dessus. Je vais superposer les couches autant de fois que possible. Donc toujours biscuit, coulis, chantilly. Biscuit, coulis, chantilly. Au-dessus, je vais mettre le coulis où on avait mis le agar-agar là. L'agar-agar là, je vais le rajouter au-dessus. Je vais mettre un ruban de chantilly et je vais le mettre au frais pour une nuit. L'objectif, c'est que le coulis qu'on a mis au-dessus, qu'il fige. Donc, vous voyez là, à la sortie, il a figé. Et je peux rajouter enfin des fraises découpées, toutes fraîches au-dessus pour que ce soit plus beau. Ensuite, après, je vais parsemer de sucre glace. Donc, ici, juste pour que ce soit un peu plus gourmand. Et après, voilà, je démoule. Doucement. Et puis voilà, la charlotte, elle est prête. Reste plus qu'à déguster. Qui en a envie? Qui veut un morceau? C'est long, il faut être patient, mais c'est un régal, c'est fait maison. Moi, je mets à contribution les enfants et sincèrement, on s'amuse et on passe un bon temps ensemble. Et après, forcément, on passe un bon moment gourmand. Regardez comment elle est appétissante. Merci pour vos likes et vos partages. Merci pour vos gentils commentaires et vos messages. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me dire si vous voulez qu'on fasse une autre recette ensemble. Et puis moi, je vous retrouve bientôt avec plaisir et gourmandise pour une nouvelle recette.